Bilanz ziehen mit Vertretern von Bund und Kantonen. Auf dem Podium begrüßen möchte ich Bundesrätin Karin Keller-Sutter, Vorsteherin des EOPD, Nathalie Barthoulot, Ministre-Präsidente de la Conférence des Directrices et Directeurs Cantonaux des Affaires Sociales. Im Saal begrüßen möchte ich Christine Schraner-Burgener, Staatssekretärin für Migration, und Remo Dörig, stellvertretender Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren SODECA. Frau Bundesrätin, Sie haben das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank, Madame la Conseillère d'État et Présidente de la CDAS. Sehr geehrte Damen und Herren, es sind noch nicht 3 Monate vergangen seit Kriegsbeginn. Insbesondere für die betroffenen Menschen in der Ukraine ist das Leiden seither sehr groß. Und ein Ende ist leider nicht in Sicht. Wir wollen heute gemeinsam, Frau Regierungsrätin Nathalie Barthoulou und ich, also als Vertretung Bund und Kantone, eine erste gemeinsame Zwischenbilanz über diese Zeit ziehen. Es haben in diesen knapp 3 Monaten 3-mal so viele Personen in der Schweiz Schutz gesucht wie sonst in einem ganzen Jahr. Für das EOPD und das SEM bedeutete das, innerhalb kürzester Zeit rund 50.000 Personen zu registrieren, ihnen den Schutzstatus S zu verleihen, ein Dach über den Kopf zu organisieren und sie den Kantonen zuzuweisen. Es ist ja nicht nur eine Frage der Menge, sondern es ist auch eine Frage des Tempos. Oder ich habe es gesagt, in kürzester Zeit, das haben wir in dieser Art und Weise noch nie erlebt. Über Wochen kamen täglich über 1.000 Personen noch in der Schweiz an. In Spitzenzeiten waren es bis 1.800 Personen, die sich in den Bundesasylzentren gemeldet haben. Das sind, wenn man es vergleicht, mehr als sonst in einem Monat. In einem Monat hat man etwa, also bei den Asylgesuchen, etwa 1.400 Gesuche. Und hier hatten wir Zeiten mit bis 1.800 Eintritte pro Tag. Auch im internationalen Vergleich sind die Dimensionen eindrücklich. Seit Kriegsbeginn sind über 6 Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Weiterhin klar am stärksten betroffen sind die Aufnahmeländer, die Nachbarländer sind der Ukraine, vor allem Polen. Die Schweiz zeigt sich bei der Aufnahme von Schutzsuchenden solidarisch im Sinne ihrer humanitären Tradition und engagiert sich ebenfalls stark. Si nous avons pu accueillir en Suisse si rapidement un si grand nombre de personnes fuyant la guerre, c'est parce que nous avons très vite mis en place le statut de protection S. Le Conseil fédéral l'a activé après consultation des cantons, des œuvres d'entraide, du HCR, le 12 mars 2022. Pour la première fois depuis que ce statut existe, et ce statut existe dans la loi depuis 1999, la situation était donc entièrement nouvelle pour le SEM, mais aussi pour les cantons. Vous vous souvenez sûrement de longues files d'attente les premiers jours devant les centres fédéraux. Avec de nouveaux outils en ligne, le processus d'enregistrement a pu être accéléré et les files d'attente ont rapidement disparu. Concernant l'hébergement, je peux dire en résumé que la situation est sous contrôle. Bien entendu, les choses peuvent à nouveau changer très rapidement en fonction de l'évolution de la guerre. Nous utilisons le temps dont nous disposons maintenant pour nous préparer à cette éventualité. Zusammenfassend kann man aber zur Unterbringung sagen, wir haben die Situation Bund und Kantone im Griff. Natürlich kann sich die Lage je nach Kriegsverlauf sehr schnell ändern, sehr dynamisch ändern. Und wir nutzen aber die Zeit selbstverständlich, um uns darauf vorzubereiten. Es war einfach sehr vieles Neuland, was wir jetzt gesehen haben. Ich habe gesagt, am 12. März hat der Bundesrat zum ersten Mal diesen Schutzstatus S aktiviert. Gleichzeitig hat die Europäische Union die Richtlinie für den vorübergehenden Schutz aktiviert. Wir sind hier praktisch synchron unterwegs. Also einerseits zeitlich, andererseits auch inhaltlich.
Nun, das SEM hat dank der guten Zusammenarbeit, vor allem mit dem VBS, dem ich herzlich danke, schnell die verfügbaren Plätze in den Bundesasylzentren von 6.000 auf über 9.000 erhöhen können, wie dies die Notfallplanung vorsieht. Es gab eine Notfallplanung, es war nicht so, dass man nicht vorbereitet war. 2016 haben Kantone und Bund diese miteinander vereinbart. Ich möchte hier auch betonen, dass auch die Kantone schnell tausende zusätzliche Plätze organisiert haben und Privatpersonen haben bis heute rund 25.000 Schutzsuchende aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Und das ganz spontan. Die meisten der Schutzsuchenden sind vor allem Frauen mit ihren Kindern, hatten sich privat organisiert, also Sie können ja, das wissen Sie unterdessen, visumsfrei einreisen in die Schweiz, Sie können sich hier frei bewegen und Sie haben Ihre Unterkunft auch selber organisiert, auf eigene Faust, über Facebook und so weiter, also das ist der große Teil, in 4.000 Fällen nur, wenn man so sagen darf, hat die Schweizerische Flüchtlingshilfe die Plätze vermittelt. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe vermittelt dabei allerdings nur Plätze in Kantonen, die damit auch einverstanden sind. Sie haben ja mitbekommen, dass nicht alle Kantone dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen. Das hat natürlich auch zu Kritik geführt. Viele Vertriebene kamen in den großen Städten an, wie Zürich oder Bern. Das ist nichts typisch Schweizerisches. Also ich kann Ihnen sagen, einerseits hat es natürlich damit zu tun, dass die Diaspora vor allem an diesen Orten lebt, also vor allem in Zürich, Bern, Aargau, Tessin, also die ukrainische Diaspora, die bereits in der Schweiz ist. Andererseits, das hat mir meine deutsche Kollegin auch gesagt, in Deutschland sind alle in Berlin, Hamburg und München. Ich höre das sogar aus Polen. Die Polen haben große Schwierigkeiten, weil alle Geflüchteten in Warschau bleiben wollen. Sie verteilen sie jetzt auf dem Land, aber das ist in allen Staaten ähnlich. Das hat einfach damit zu tun, dass die Geflüchteten in den Zentren bleiben wollen. Und es ist noch interessant, wenn man mit ihnen spricht, sie haben Angst, dass auf dem Land quasi kein öffentlicher Verkehr da ist, dass die Straßen nicht intakt sind oder sie haben das Bild, das sie von zu Hause mitnehmen und im Westen ist das natürlich anders. Also gerade in der Schweiz haben wir ja, glaube ich, ein Postauto fast in jeder Gemeinde. Aber das ist etwas, die Angst, abgekoppelt zu sein. Sie wollen in den Zentren sein. Nun, viele sind also gerade in den Städten bei Verwandten oder Bekannten untergekommen. Das führte zu Beginn zwangsläufig zu einer unterschiedlichen Belastung von Kantonen und Gemeinden und der bevölkerungsproportionale Verteilschlüssel konnte nicht eingehalten werden. Auf Wunsch der Kantone hat das SEM dann vor rund 3 Wochen begonnen, den Verteilschlüssel wieder konsequenter anzuwenden. Seither ist das Ungleichgewicht zwischen den Kantonen von rund 20% auf 11% gefallen. Die Kantone nehmen nun in etwa so viel Vertriebene bei sich auf, wie das gemäß Schlüssel vorgesehen ist. Das SEM und die Kantone achten aber weiterhin darauf, dass es bei der Kantonszuweisung nicht zu Härtefällen kommt. Sie behandeln diese Einzelfälle pragmatisch und suchen gute Lösungen. Auf Kritik gestoßen ist teilweise auch die unterschiedliche Entschädigung von Gastfamilien durch die Kantone und die unterschiedlichen Ansätze bei der Sozialhilfe. Frau Regierungsrätin Nathalie Bartolo wird Ihnen hier mehr sagen können. Ich möchte in Erinnerung rufen, dass der Bund die Kantone entschädigt. Es gibt eine Subvention von 1.500 Franken pro geflüchteter Person pro Monat. Das ist der Ansatz, den wir auch für vorläufig Aufgenommene und Asylsuchende haben. Es gibt auch eine Entschädigung für die Sprachförderung von 3.000 Franken pro Person. Wie die Kantone das einsetzen, ist Sache der Kantone. Insgesamt hat sich die Lage bei der Unterbringung von Schutzsuchenden in der Schweiz in den letzten Wochen etwas beruhigt. In den vergangenen Tagen sind noch durchschnittlich rund 400 Personen neu in der Schweiz angekommen. Gleichzeitig hat das SEM etwa 800 Anträge täglich erledigt und heute können Geflüchtete darum einen Registrierungstermin für den nächsten Tag buchen. Das SEM verfügt im Moment zudem über mehr als 4.000 freie Betten
halten und kann darum Geflüchtete bei Bedarf auch ein paar Nächte länger in den Bundesasylzentren behalten. Das ist gerade bei vulnerablen Personen wichtig. Das ist auch der Wunsch der Kantone und Gemeinden. Wenn sie Personen haben mit einer Behinderung beispielsweise, brauchen die Kantone einfach etwas mehr Zeit, um eine angemessene Platzierung zu finden. Nun, ich habe hier in diesem Saal bereits am 11. März die Solidarität der Bevölkerung angesprochen. Sie können sich erinnern, als ich im Namen des Bundesrates die Aktivierung des Schutzstatus S hier bekannt geben durfte. Ich habe darauf hingewiesen, wie groß diese Solidarität ist und wie wichtig es ist, dass sie auch erhalten bleibt. Dazu braucht es nicht nur guten Willen, es braucht vor allem auch weiterhin die gute Arbeit der Behörden. Wir müssen uns auf verschiedene Szenarien vorbereiten, die Lage kontrollieren und wir müssen auch so gut wie möglich verhindern, dass es zu Missbrauch kommt. Ich komme gleich noch darauf zurück. Zunächst ist es mir aber ein Anliegen der Schweizer Bevölkerung für ihre Solidarität und auch den vielen Privaten für ihr Engagement zu danken, aber natürlich auch den Kantonen, den Gemeinden, den Hilfswerken, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des SEM und auch den über 100 Mitarbeitenden aus anderen Bundesämtern, die sich freiwillig zur Verfügung gestellt haben, um zu helfen. Ein Dank geht auch an die Arbeitgeber, die sich engagieren, um Geflüchteten eine Arbeit zu geben. Und ein besonderer Dank geht auch an die Schulen und die Lehrkräfte. Sie stehen vor einer großen Aufgabe. Bisher sind über 12.000 Kinder in die Schweiz geflüchtet, die eingeschult werden müssen. Die Herausforderungen konnten in diesen ersten 3 Monaten insgesamt also gut bewältigt werden. Wir haben bereits einiges erreicht, auch wenn föderale Unterschiede bisweilen auf Unverständnis stoßen, funktioniert aus unserer Sicht auch das Zusammenspiel zwischen Bund und Kantonen sehr gut. Wichtig scheint mir, dass wir alle lernfähig und flexibel bleiben. Wir wissen nicht, welche Herausforderungen noch auf uns zukommen. Die Frage ist, wie geht es weiter? Niemand weiß, wie lange dieser Krieg noch dauert und wie er sich entwickelt. Momentan liegt die tägliche Zahl der Neuankommenden, ich habe es bereits erwähnt, bei etwa 400. Aber diese Zahl kann auch plötzlich wieder sprunghaft ansteigen, so wie Mitte März, als es über Wochen täglich 1.000 Personen pro Tag waren. Aber selbst wenn es auf dem momentan etwas tieferen Niveau weitergehen würde, kämen immer noch über 10.000 Personen jeden Monat neu in die Schweiz. Parallel dazu steigt auch die Zahl der Asylgesuche aus anderen Ländern. Sie wissen, das ist auch etwas saisonal. Die Zahl der Asylgesuche ist im Sommer ohnehin jeweils höher als im Winter. Außerdem müssen wir damit rechnen, dass nicht alle privaten Gastgeber ihre Wohnungen längerfristig mit Geflüchteten teilen wollen oder teilen können. Bund, Kantone und Gemeinden müssen deswegen weiterhin nach zusätzlichen Unterkünften Ausschau halten. Je länger der Krieg dauert und die Schreckensbilder von den Titelseiten verschwinden, desto mehr müssen wir darum besorgt sein, dass die Solidarität anhält und die Stimmung im Land nicht kippt. Dazu gehört, dass wir auch Missbräuche verhindern. Wir hören bereits von Ukrainerinnen und Ukrainern, die in ihre Heimat zurückreisen, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Was bedeutet das für ihren Schutzstatus S in der Schweiz? Ab wann fällt der Anspruch auf den Status S und damit auch der Anspruch auf Sozialhilfe weg? Wir müssen vermeiden, dass Personen mit dem Status S, die nicht mehr in der Schweiz leben, weiterhin Sozialhilfe erhalten. Auch wenn es aktuell noch keine konkreten Fälle gibt, besteht hier theoretisch ein Missbrauchspotenzial. Missbräuche zu verhindern ist auch ein Anliegen der Kantone. Diese Frage wurde diese Woche deshalb im SONAS, im Sonderstab Asyl, mit den Kantonen besprochen. So sollen zwar kurze Reisen zurück in die Ukraine möglich sein, etwa um Angehörige zu besuchen oder die Rückkehr zu organisieren. Wer aber länger bleibt, verliert seinen Status S.
Die Grenze ist bei 15 Tagen. Es ist jetzt noch offen, ob es möglich sein soll, 15 Tage pro Quartal oder pro Halbjahr in die Heimat zu reisen. Ich habe vorher gesagt, das wird mit den Kantonen diskutiert derzeit und sie werden sich nächste Woche dazu äußern. Eine weitere Frage ist, was mit Schutzsuchenden passiert, die bereits in einem anderen Land Schutz genießen und trotzdem in die Schweiz kommen, zum Beispiel, weil sie hier bessere Bedingungen vorfinden. Die EU ist daran, und das war auch ein Anliegen der Schweiz, eine europaweite Registrierungsplattform zu erstellen. Und über diese Plattform können die Mitgliedstaaten Informationen über Personen mit vorübergehendem Schutz austauschen. Die zuständige EU-Kommissarin Ylva Johansson hat der Schweiz eine Beteiligung an dieser Plattform in Aussicht gestellt. Ich bin im persönlichen Kontakt mit ihr. Mit dieser Beteiligung soll verhindert werden, dass eine Person in zwei Staaten gleichzeitig Schutz genießt. Aber es ist noch etwas kompliziert rechtlich. Die Kommission ist daran, hier eine Lösung zu finden. Schon mit den, also mit den Mitgliedstaaten, nicht nur den assoziierten Schengen-Staaten, ist es offensichtlich nicht ganz einfach. Nun, meine Damen und Herren, es stellen sich also auch 3 Monate nach Kriegsbeginn immer wieder neue Fragen. Bilanz zu ziehen heißt darum für mich auch die Anwendung des Status S von externen Fachleuten genauer unter die Lupe zu nehmen. Und zwar schon jetzt, also während wir arbeiten, mit diesem Status arbeiten. Und ich habe konkret entschieden, den Schutzstatus S evaluieren zu lassen. Wir werden diesen über 20 Jahre nach seiner Anführung, wenden ihn zum ersten Mal an. Und die Erfahrungen, die wir machen, müssen wir jetzt schon auswerten und nutzen. Es ist eine Evaluationsgruppe vorgesehen mit externen Fachleuten, die diesen Status S eben genauer betrachten und evaluieren. Diese Gruppe soll identifizieren, was sich bei der Anwendung des Status S bewährt hat, was nicht. Ein Beispiel ist der vorhin erwähnte Widerruf des Schutzstatus bei einer Rückkehr von geflüchteten Personen. Das ist heute nicht spezifisch rechtlich geregelt. Die Gruppe soll zugleich aber auch den Status S im Kontext des Schweizer Asylsystems beurteilen, beispielsweise auch im Vergleich zur vorläufigen Aufnahme. Wir möchten einen ersten Zwischenbericht bis Ende Jahr, auch im Hinblick auf den Entscheid über die Verlängerung des Status S nach einem Jahr. Wir müssen ja diesen Status S nach einem Jahr überprüfen und der Bundesrat entscheidet, ob er ihn verlängert nach einem Jahr oder ob er ihn widerruft. Nun zusammengefasst kann ich Folgendes sagen. Erstens, unser Asylsystem funktioniert. Es ist nicht zusammengebrochen, auch nicht in dieser außerordentlichen Lage. Zweitens, die Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern ist weiterhin groß in der Bevölkerung. Doch ist es entscheidend, dass wir auch die notwendigen Maßnahmen treffen, dass dies so bleibt. Und drittens, wir wollen aus den Erfahrungen lernen, und zwar schnell, bereits jetzt. Die von mir eingesetzte Evaluationsgruppe soll den Status S genauer anschauen, bereits jetzt, wo der Krieg noch nicht zu Ende ist. Ich danke Ihnen jetzt für Ihre Geduld, dass ich etwas länger geworden bin, und auch für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf, glaube ich, direkt das Wort weitergeben an Frau Regierungsrätin. Merci, Madame la Conseillère fédérale, Madame la Secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les représentants des médias. Voici maintenant près de 3 mois que nous faisons face à une situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Jamais autant de personnes ne sont venues chercher refuge en Suisse en si peu de temps. Le statut S a été activé pour la première fois et les procédures qui lui sont liées, qui sont très différentes des procédures d'asile ordinaires, ont dû être mises en place très rapidement pour faire face à l'arrivée massive de personnes provenant d'Ukraine, en majorité des femmes et des enfants. Cette situation a placé les autorités fédérales et cantonales devant de nombreux défis. Dès le début de la crise, la priorité des cantons a été de s'assurer que toutes les personnes arrivant d'Ukraine puissent être hébergées de manière convenable. Les autorités cantonales ont pu compter sur le soutien de la population suisse qui s'est mobilisée pour mettre à disposition un nombre très élevé de logements. Nous profitons de l'occasion offerte ici pour saluer une fois encore ce magnifique élan de solidarité et adresser à toutes ces personnes un grand merci.
Durant cette première phase, l'action des cantons ne s'est toutefois pas limitée à trouver un toit à chaque personne arrivant en Suisse. Les personnes qui en avaient besoin ont pu bénéficier de soins médicaux et recevoir l'encadrement social nécessaire. Les enfants ont pu être intégrés relativement rapidement dans les écoles. La situation des personnes vulnérables a été prise en compte et les pratiques cantonales adaptées lorsque cela était nécessaire. Aujourd'hui, je pense donc pouvoir dire que les cantons ont relevé le défi posé par l'accueil d'urgence. J'aimerais remercier la Confédération, les communes et les associations pour leur très bonne collaboration, qui, j'en suis sûre, se poursuivra. Lorsque je dis que les cantons ont relevé le défi, c'est sans prétendre que tout s'est toujours parfaitement déroulé. J'aimerais citer trois exemples où le manque d'expérience avec le statut S a engendré des difficultés pour les autorités cantonales en particulier. Le premier exemple concerne l'hébergement privé. Il s'agit d'une marque réjouissante de solidarité de la part de la population, mais cela représente aussi, à une telle échelle, un défi d'organisation et de coordination important. Au départ, les autorités en ont probablement sous-estimé la difficulté. Après quelques semaines, nous avons constaté que l'option retenue, à savoir une grande liberté accordée aux personnes quant au lieu d'hébergement, ne nous permettait pas de respecter la clé de répartition des réfugiés entre cantons. Or, cette clé est importante car elle contribue à répartir de manière équitable la charge des prestations que l'État doit fournir, notamment au niveau des écoles, de l'aide sociale, de l'aide médicale et de l'intégration. Mon deuxième exemple concerne les défis de communication quant à l'activation du statut de protection S, eu égard au fait que de nombreuses personnes ont été accueillies chez des privés dans un laps de temps très court. Dans la procédure d'asile normale, les requérants reçoivent des informations de base importantes durant leur séjour dans les centres fédéraux. Pour les personnes avec un statut S, ce modèle de transmission d'informations n'a pas fonctionné de la même manière. Les cantons ont donc dû s'adapter à cette nouvelle donne et définir d'autres moyens de communication. Enfin, et cela est mon troisième et dernier exemple, au niveau des soutiens financiers, des questions pratiques se sont posées et des incompréhensions sont apparues. Il est vrai qu'il n'est pas toujours facile de comprendre de prime abord les différents défraiements des familles d'accueil décidés par les cantons ou les applications différenciées en matière d'aide sociale. Ces différences dans l'aide sociale ont pourtant toujours existé, notamment pour les personnes au bénéfice d'une admission provisoire. Elles sont en partie le résultat de décisions politiques dans les cantons, voire dans certains cas de votations populaires. Selon la législation fédérale, les cantons doivent octroyer aux personnes à protéger, à celles admises à titre provisoire et aux requérants d'asile, une aide inférieure à celle des personnes résidant en Suisse. Étant donné que la loi fédérale ne donne pas davantage de détails, les cantons possèdent ainsi une certaine marge de manœuvre. Cette situation n'est donc pas nouvelle, mais les critiques n'avaient jusqu'alors pas été aussi nombreuses et aussi virulentes. Jusqu'ici, une harmonisation n'a jamais été envisagée et il convient de rappeler que les instruments existants au niveau intercantonal ne sont pas contraignants. La situation actuelle montre qu'il serait utile de discuter plus globalement des statuts légaux prévus pour les personnes étrangères et de la légitimité des différences prévues par la législation fédérale. Cependant, il s'agit d'une réflexion à long terme. La CDAS ne souhaite pas créer de nouvelles inégalités entre les différents statuts, notamment entre les personnes admises provisoirement et les personnes à protéger. Je vais maintenant laisser de côté ces questions pour parler plus concrètement du futur proche. Un constat qui peut être posé est que la fin de la guerre en Ukraine ne se profile certainement pas à court terme. Cela nous oblige à envisager la situation des personnes accueillies sur une période plus longue, ce qui constitue un véritable défi pour les autorités, ceci à tous les échelons. Nous entrons désormais dans une deuxième phase d'accueil. Dans celle-ci, deux choses me paraissent particulièrement importantes. La première est d'offrir aux personnes arrivant d'Ukraine une prise en charge adaptée, et la seconde est de continuer à impliquer et à soutenir la société civile dans son engagement en faveur des personnes à protéger. Concernant les personnes arrivant d'Ukraine, l'objectif principal est triple. Il s'agit d'assurer que les enfants et les jeunes soient scolarisés dans de bonnes conditions, que les adultes qui le peuvent et qui ont les compétences puissent accéder au marché du travail, enfin, que l'intégration sociale de toutes et tous soit encouragée et aidée si nécessaire. Ces trois points représentent le processus idéal. Je parle d'idéal parce qu'il est clair qu'un certain nombre de personnes arrivant d'Ukraine sont dans des situations de vulnérabilité ou de traumatisme qui nécessitent une prise en charge particulière. Il s'agit par exemple de personnes souffrant de stress post-traumatique, ayant besoin d'un soutien psychologique particulier
ou de personnes en situation de handicap dépendant d'un accompagnement spécialisé. Afin de favoriser une prise en charge de qualité, cette dernière doit passer par une répartition équitable des cas, de manière à éviter de surcharger certains cantons. Dans tous les cas, quel que soit le processus d'intégration mis en place, il faudra assurer aux personnes provenant d'Ukraine un encadrement de qualité, tout en veillant aussi à une équité de traitement avec les autres publics issus de la migration. Les cantons sont en train de mobiliser les ressources nécessaires dans ce sens. La collaboration entre la Confédération, les cantons et les organisations fêtières est bien évidemment centrale et continuera de l'être. Dans l'optique d'une intégration professionnelle, la collaboration sera également essentielle avec les acteurs du marché du travail. Pour le moment, les employeurs veulent se montrer solidaires, mais se trouvent dans une situation d'incertitude. En effet, ils souhaiteraient avoir une certaine perspective de stabilité au moment d'engager des personnes ayant un permis S. Laissez-moi conclure sur ce message. Si l'on revient sur ces derniers mois, force est de constater que beaucoup d'efforts ont été réalisés en vue de l'accueil en Suisse de milliers d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens, à la fois par la Confédération, les cantons, les communes, les associations et la population. L'expérience acquise nous permettra d'améliorer ce qui doit encore l'être. Et je tiens ici à saluer la création du groupe d'experts chargé d'évaluer l'application du statut S annoncé par Madame la conseillère fédérale. Il s'agit maintenant de permettre aux personnes qui séjournent en Suisse en raison de la guerre en Ukraine et qui resteront probablement dans la durée dans notre pays, de se projeter elles aussi dans l'avenir. In fine, nous devrons leur permettre d'améliorer leur intégration sociale de manière générale, notamment par un apprentissage intensif de la langue ou encore l'acquisition de compétences professionnelles. Un des points centraux est donc de réfléchir à la meilleure façon de donner des perspectives à ces personnes, à commencer par les enfants et les jeunes qui doivent pouvoir poursuivre ou démarrer une formation dans de bonnes conditions. Il est essentiel que la période qu'ils passent dans notre pays soit valorisée et appréhendée de manière constructive. Pour cela, la CDAS estime vraiment important de clarifier rapidement la manière dont nous souhaitons faire évoluer le statut S dans les prochains mois. Je vous remercie pour votre attention. Besten Dank, Frau Bortolo. Besten Dank, Frau Bundesrätin. Jetzt ist es Zeit für Ihre Fragen. C'est die erste, Monsieur Böcklin. Donc, notamment dans la presse du dimanche, il y a certains politiciens qui parlaient de l'idée de régionaliser l'accueil de réfugiés en disant il faudrait accorder le statut S seulement à ceux qui viennent de l'est de l'Ukraine où les combats se concentrent. Est-ce que voilà, ça serait une option pour vous de limiter le statut S à ces personnes-là? Alors, merci beaucoup, Monsieur Beugler, pour cette question. Non, ce n'est pas une option, définitivement pas, parce que je ne comprends pas sur quelle analyse de sécurité est basée cette demande ou cette idée. Parce que, vous voyez, le Conseil fédéral, on reçoit tous les jours un bulletin du service de renseignement. Et si moi, je lis les bulletins du service de renseignement, je vois la carte de l'Ukraine, je vois où tombent les bombes. Et par exemple, je peux vous dire, parce que ça, je l'ai encore en tête, dans la nuit du 17 ou 18 mai, il y a eu un bombardement de la ville de Lviv à la frontière polonaise. Et puis aussi, à l'ouest de l'Ukraine, il y a toujours des combats. C'est vrai que maintenant, bien sûr, l'attention aussi internationale se concentre sur la région de Mariupol, sur le Donbass, c'est clair, parce que c'est là vraiment que la guerre, elle est vraiment extrême, elle est très agressive. Mais vous voyez, le service de renseignement suisse n'arrive pas à la conclusion que l'Ukraine est un pays qui n'est plus en guerre ou bien qu'il y a des zones qui sont sûres. Et ce n'est pas seulement le service de renseignement de la Suisse qui arrive à cette conclusion, mais tous les services de renseignement de l'Ouest. Alors, vous voyez, je ne vois pas comment on pourrait faire ça. Ça, c'est question sécurité. Après, la question juridique. Les Ukrainiens peuvent de toute manière voyager dans toute l'Europe, dans l'espace Schengen, sans visa. Alors, comment voulez-vous les empêcher, enfin, ceux qui viennent de l'Ouest de l'Ukraine, d'entrer dans l'espace Schengen ou bien en Suisse? Et une fois qu'ils sont ici, est-ce qu'il faut les refouler lorsqu'on les attraperait au bout de 90 jours de force? Ou bien, vous voyez, ils ont aussi la possibilité de déposer une demande d'asile. Et puis là, on est aussi tenu à faire la procédure. Peut-être après, il y a une non-entrée en matière ou bien il y a une admission provisoire. Alors, du côté juridique aussi, c'est compliqué. Et puis au niveau international, vous voyez, l'activation du statut S... Ça, c'est, à mon avis,
où la déactivation aussi doit se faire en concert avec les autres États Schengen. Parce que ce n'est pas par hasard que la Suisse a activé le statut S pour la première fois alors que l'Union européenne a activé la directive sur la protection provisoire. On l'a fait ensemble et puis on l'a harmonisé au maximum. Alors, vous voyez aussi l'image que donnerait la Suisse. Vous dites aux Polonais qui ont 3,3 millions de réfugiés ukrainiens qu'on a 50 000, mais que maintenant l'Ouest de l'Ukraine est sûr et puis qu'on n'accepte plus les Ukrainiens de l'Ouest. Enfin, ce serait au niveau international quand même un peu bizarre. On ne pourrait pas le vendre. Et surtout que, je l'ai dit tout au début de mon intervention, que finalement aussi l'appréciation de la situation en matière de sécurité, le service de renseignement, il est clair. Et puis aussi, tout le monde le dit. Vous voyez, si un jour, au niveau international, on arrive à la conclusion qu'il y a des zones de protection ou qu'on installe des zones de protection ou qu'il y a des espaces où on peut vivre. Bien sûr, il y a un retour qui est prévu aussi. C'est aussi prévu d'ailleurs par l'Union européenne. Mais maintenant, ça me semble quand même être précoce et on ne peut pas le faire si on n'est pas coordonné avec le reste de l'Europe. Ja, bitte, nächste Frage. Merci. Dans votre bilan, il me semble qu'il manque un élément important, ce sont les coûts. Est-ce que la Confédération, les cantons, ont déjà estimé ce qu'avait coûté jusqu'ici l'accueil des réfugiés et quelles étaient les potentielles perspectives ? Oui. Donc, en ce qui concerne la Confédération, on a fait une estimation de coûts pour la planification financière. Et puis, le Conseil fédéral part du fait qu'on aura des coûts d'environ 1,2 jusqu'à 2 milliards de francs cette année. Ça dépend. 50 000 réfugiés coûtent à peu près 1 milliard de francs. Hein. C'est donc le forfait de 1 500 francs par mois. Le forfait global qui est donc donné au canton après les 3 000 francs, puis encore un forfait pour l'administration. On arrive à peu près à ce chiffre-là. Mais ce chiffre, ou bien ce montant, il ne fait pas partie du budget. C'est une dépense extraordinaire parce qu'elle n'était pas prévue. C'est ça que le Conseil fédéral va demander dans le processus de budget au Parlement. C'était comme avec Corona, vous vous souvenez. Hein, il y avait aussi certains montants qui n'étaient pas budgétisés parce que ce n'était pas prévu. Alors, c'est à l'extérieur, ça veut dire que ça ne va pas au détriment d'autres tâches. Et puis, voilà, c'est un peu ça que je peux vous dire. Et puis, bon, les coûts après dépendent, bien sûr, de l'afflux, de la situation, du déroulement de la guerre. C'est ça qui, finalement, décide comment la situation va se présenter. Est-ce que je peux compléter ma question ? On a vu que les transports publics ne seront plus gratuits à partir du mois de juin. Est-ce qu'on envisage des mesures d'économie ou de moins versées à certains niveaux ? Ce n'était pas une décision de la Confédération. Hein. C'était une décision des entreprises de transports publics. Là, il faut dire que, d'après ce que j'ai compris, c'était un geste de solidarité, aussi un geste pour faciliter, je crois, que, pour les Ukrainiens qui sont venus de l'extérieur pour rejoindre leur famille, etc. Mais finalement, après, quand les cantons s'occupent des personnes dans les cantons, les Ukrainiens dans les cantons, c'est finalement eux qui sont responsables aussi pour le dédommagement de billets de train. Je ne sais pas si Madame la conseillère d'État peut dire quelque chose à ce sujet. Tout à fait. Par rapport à ces frais de transport, il faut savoir que jusqu'à présent, comme vous l'avez indiqué, les personnes pouvaient se déplacer librement en utilisant les transports publics et puis que depuis le 1er juin, la situation change. Dans ce que ça va changer, c'est de dire que la personne réfugiée ukrainienne qui est dans un canton, en fait, peut bénéficier de ce qu'on appelle un Reichscheck pour se déplacer, mais pour autant qu'elles doivent se rendre sur un lieu pour avoir une activité professionnelle, aller à un contrôle médical, aller à des cours de langue, là, la prise en charge de ces frais de transport est assurée par les cantons parce que ce sont toutes des mesures qui visent à l'intégration des personnes. Mais il est vrai que voilà, ça va limiter sérieusement les possibilités de déplacement de ces personnes. Et puis, si elles souhaitent se déplacer tout de même, c'est vrai qu'elles devront prendre le montant nécessaire sur leur forfait qui leur est attribué. Monsieur Heuberger.
Une question à Madame Bartoulot. On voit que de plus en plus d'Ukrainiens vont chercher de la nourriture dans les centres de distribution de nourriture gratuite. Est-ce que ce n'est pas le signe, au fond, que le système d'aide sociale prévu ne fonctionne pas, il n'est pas suffisant? Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, répondre à cette question de façon urgente? Il est vrai qu'on observe qu'il y a une solidarité qui s'est installée vis-à-vis des populations ukrainiennes et puis qu'il y a des mouvements de soutien qui sont opérés. Par exemple, si je prends l'exemple de mon canton, on a créé une épicerie solidaire où les réfugiés ukrainiens qui sont en appartement privé peuvent aller acheter de la nourriture ou, cas échéant même, en prendre de manière gratuite. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, cette question-là, elle s'appliquait de la même manière aux autres populations issues de la migration, les autres requérants d'asile qui étaient érythréens ou afghans ou autres. On ne s'est jamais vraiment posé la question de savoir est-ce qu'ils ont assez pour vivre et puis est-ce qu'il y a une manière différente de traiter ces personnes. Je pense que cette crise, quelque part, elle a été un peu le révélateur de ces difficultés et puis que probablement elle nous oblige aussi à terme, parce que ce n'est pas maintenant dans l'urgence qu'on doit traiter ce genre de questions, je pense qu'elle nous obligera à terme de reprendre ces questions sensibles d'aide sociale et puis de moyens à donner aux personnes pour avoir une vie digne. Peut-être je peux faire un complément qui est intéressant parce que vous voyez, j'ai des amis aussi qui ont accueilli des Ukrainiens. Et je pense maintenant à un couple qui vit très bien, très bel appartement. Il y a deux femmes ukrainiennes qui sont vraiment bien logées. Et puis, ce couple, il m'a dit, un jour, elles sont allées à Zurich. Après, elles ont téléphoné si on pouvait venir les chercher. Elles sont arrivées, chacune, à peu près 3 ou 4 sacs, grands sacs de Migros, vraiment bourré de nourriture, d'habits, etc. Et puis, ce couple ami leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez tout, vous avez à manger, vous avez des habits et tout. Mais c'est la guerre, c'est la guerre. Enfin, c'est vraiment, c'était intéressant, c'est que ces deux femmes, elles voulaient, pour elles, c'était important de vraiment tout pouvoir prendre, ce qui était à disposition, aussi pour être sûr que si vraiment il y avait un problème, on aurait des habits, puis des choses à manger. Et puis, une deuxième motivation, c'est qu'elle voulait faire la cuisine et puis offrir quelque chose à la famille d'accueil. Alors, mes amis leur ont montré la cave, le congélateur, tout ce qu'ils ont acheté en pommes de terre, en carottes, etc. Puis ils leur ont dit, mais n'ayez pas peur, il ne faut pas avoir peur, vous êtes bien chez nous, vous êtes en sécurité. Ben, je crois qu'il y a... Et puis il y avait un journal qui a décrit ça, et puis je croyais que ce n'était pas vrai, mais apparemment c'est vrai, il y a ce réflexe de vouloir vraiment ne pas prendre de risques, parce que c'est la guerre, on ne sait pas. Et c'est vraiment intéressant, mais ce que dit Madame la conseillère d'État est bien sûr aussi correct, c'est que aussi, bien sûr, on en a parlé, il y a des tarifs de l'aide sociale qui changent d'un canton à l'autre et puis qui obligent peut-être les gens de se procurer de la nourriture d'une autre façon, ou bien il y a peut-être d'autres priorités, je ne sais pas. Nächste Frage, Herr Gilgen. Eine Frage an Frau Bundesrätin. Sie haben es zwar schon beantwortet, aber vielleicht doch nochmal auf Deutsch. Diese regionale Eingrenzung des Schutzstatus S auf gewisse Teile der Ukraine, wie stehen Sie dazu? Ja, also es ist so, dass die Sicherheitslage in der Ukraine das nicht erlaubt. Also wenn man die nachrichtendienstlichen Bulletin liest, dann weiß man, dass gerade Lviv an der polnischen Grenze, also wirklich in der Westukraine, weiterhin bombardiert wird. Es gibt auch Kriegshandlungen überhaupt in der Westukraine. Der Fokus einfach der Medien und der Öffentlichkeit ist auf Mariupol, ist auf dem Donbass. Aber das heißt nicht, dass es nicht Kriegshandlungen auch in anderen Gebieten gibt. Das ist nicht nur die Erkenntnis des Nachrichtendienstes der Schweiz, sondern das sind die westlichen Nachrichtendienste, die diese Haltung teilen. Dann rechtlich ist es so, dass die Ukrainer ohnehin visumsfrei reisen können. Man könnte sie also gar nicht hindern an der Einreise in die Schweiz. Wenn sie nach 90 Tagen die Schweiz verlassen müssten, hätten sie die Möglichkeit, ein Asylgesuch zu stellen. Man müsste ein solches Verfahren durchführen.
Also rechtlich würde das auch nicht wirklich aufgehen. Und dann drittens wäre es international schon etwas eigenartig, wenn die Schweiz entgegen ihrem eigenen Nachrichtendienst zur Auffassung käme, dass es in der, als einziges Land im Schengen-Raum, dass es in der Westukraine sicher ist. Wenn man einmal diesen Status S beschränken sollte oder auch deaktivieren sollte, dann kann das nur in Koordination mit den anderen Schengen-Staaten erfolgen. Es ist möglich, dass zu einem Zeitpunkt vielleicht Schutzzonen eingerichtet werden oder dass es zu Zonen kommt, wo man leben kann. Das ist ja auch die Rückkehrorientierung des Status S, sieht ja auch vor, dass man gemeinsam mit anderen Staaten Garantien abgibt für die Sicherheit dann im Herkunftsstaat und die Rückreise ermöglicht. Aber das muss man gemeinsam machen. Wir würden international wohl ein eigenartiges Bild abgeben, wenn wir mit 50.000 Ukrainern zu dieser Auffassung gelangen würden. Ja, Monsieur Emery. Oui, deux questions sur les centres fédéraux d'asile, parce que la crise ukrainienne s'ajoute à des problèmes de gestion qu'il y a déjà dans ces centres fédéraux, donc comment on gère cette double contrainte? Et puis aussi sur les réformes qui ont été, qui sont peut-être à venir avec les audits qui ont mentionné voilà, ces problèmes, est-ce que la crise ukrainienne bloque tout ou est-ce que des correctifs sont déjà en cours? Alors, bon, en ce qui concerne la gestion des centres d'asile de la Confédération, c'est justement le statut S qui a contribué à ce qu'il n'y ait pas eu un blocage ou bien une congestion, entre guillemets, des demandes, enfin des autres demandes d'asile. Bien sûr, maintenant, il faudra des ressources supplémentaires aussi en personnel parce que ce n'est pas possible de pouvoir vraiment traiter les demandes. Aussi des autres personnes, enfin, pour ne pas avoir après des cas pendants enfin, qui augmentent. Ça, il faut faire très attention. Alors, pour l'instant, je l'ai expliqué, on a eu un soutien aussi de la part du reste de l'administration. Il y a eu une centaine de personnes qui se sont mises à disposition aussi du SEM. On a des gens aussi qui travaillent de façon temporaire, mais il faudra des ressources aussi pour vraiment maîtriser cette situation. En ce qui concerne les réformes, bon, ce dont j'ai parlé, c'est ce groupe d'évaluation. Il doit évaluer, bien sûr, le statut S. Enfin, il doit répondre aux questions comme, par exemple, est-ce que ce statut a rempli sa sa fonction de protection? Est-ce qu'il a vraiment débloqué le système d'asile? Est-ce que c'était possible de se coordonner avec l'Union européenne? Et si vous regardez le statut S, vous pouvez pas fermer les yeux aussi sur les autres statuts. Hein. Il faut aussi les regarder, bien sûr. Mais je ne peux pas vous promettre des réformes, parce que les réformes, ces dernières années, ont toujours échoué. Parce que d'un côté, à gauche, on veut des ouvertures, on veut une plus grande générosité. À droite, on veut être plus strict, plus sévère. Alors, c'est très difficile vraiment de trouver des pistes qui trouvent une majorité en ce domaine-là. Mais peut-être cette vue d'ensemble qui permet maintenant le statut S et puis aussi, je dirais, la nécessité de la crise hein, nous permet quand même de faire certains pas. Mais sur, je peux juste compléter, oui. Sur la gestion des centres fédéraux d'asile, notamment sur la formation du personnel. Peut-être Madame la secrétaire d'État. Oui, on a eu un rapport Oberholzer après les quelques événements dans des centres d'accueil des requérants d'Asie. Et on a établi un groupe qui s'appelle PRESEC, Prévention et Sécurité. Et on a, pour le moment, arrêté ce travail pour avoir assez de collaborateurs pour la crise d'Ukraine. Mais si je vois maintenant les chiffres qui baissent un peu avec 400 par jour, je suis convaincue qu'on peut continuer ce travaux très important très bientôt. Herr Forster. Sie haben gesagt, kurze Reisen in die Ukraine seien möglich bis 15 Tage, sei noch offen, ob pro Quartal oder pro Jahr. Jetzt können Sie sagen, welche Überlegungen für die eine oder andere Regelung spricht?
Ja gut, das ist am Schluss etwas eine politische Frage. Oder ich würde jetzt meinen, also ganz unpräjudiziell, Herr Forster, so was sich abzeichnet, glaube ich, in den Kantonen ist so etwa 15 Tage pro Quartal. Es geht natürlich auch um die Frage der Auszahlung der Sozialhilfe. Oder man möchte auch verhindern, dass es Missbräuche gibt, dass es Leute gibt, die eben in der Ukraine sind oder in einem anderen Schengen-Staat sind, die gar nicht mehr hier sind. Das sind die Überlegungen, die man hier gemacht hat. Das Gesetz sagt heute einfach, dass wer seinen Lebensmittelpunkt verlegt oder verliert den Schutzstatus S. Aber dass eben diese kurzfristigen Aufenthalte dazu führen könnten, das ist nicht näher spezifiziert. Aber es ist auch ein Anliegen der Kantone. Vielleicht kann Frau Regierungsrätin noch etwas dazu sagen. Aber es geht auch darum, dass man die Solidarität und Glaubwürdigkeit behält. Und das sind Fragen, die auftauchen können, nicht sofort. Aber es sind Fragen, die schon ein gewisses, ich sage jetzt, Störpotenzial haben. Zuerst Herr Patschi, dann Herr Halter. Eine Frage, Frau Bundesrätin. Es gibt Förderungen, eine Petition, die sagt eigentlich, dass man der Schutzstatus S auch vor Russen, vor gewissen Russen vorgesehen oder aktiviert werden könnte, also zum Beispiel Deserteure oder politische Aktivisten, die gegen das Krieg kämpfen in Russland. Was meinen Sie dazu? Der Schutzstatus S wurde gemacht für die kollektive Aufnahme einer ganzen Gruppe von Menschen, die von Krieg oder Gewalt bedroht sind. Und man wollte damit das Asylsystem entlasten. Oder Sie sehen ja jetzt hier 50.000 Menschen in kurzer Zeit. Bei den Russinnen und Russen, die Russland verlassen, ist es so, dass sie ein Asylgesuch stellen können. Also es ist nicht so, dass es dort eine kollektive Aufnahme gibt. Es gibt auch keinen Krieg, oder? Weil der Schutzstatus S im Gesetz ist klar definiert. Es geht wirklich darum, dass man kollektiv eine Gruppe, eine Nationalität aufnimmt, die von Krieg und Gewalt bedroht ist. Das ist, dort handelt es sich unter Umständen um politische Verfolgung, das ist richtig, oder? Aber dafür sind Asylverfahren da. Ich bin im Übrigen auch der Meinung, dass ein solcher Schutzstatus, und das wird eine Frage sein, die die Evaluationsgruppe auch beantworten muss, jeweils nur gemeinsam auf europäischer Ebene, also gemeinsam mit den Schengen-Staaten, aktiviert oder deaktiviert werden kann. Sie können nicht einen temporären Schutz in einem einzelnen Land allein erlassen. Das ist unmöglich. Man muss das international koordinieren. Das war schon, ich habe diese Woche Bundesrat Koller gesehen. Der hat damals 1995 die Botschaft gebracht mit diesem Schutzstatus S. Wir haben noch darüber gesprochen. Und das war immer das war schon damals das Anliegen, dass man, also Schengen in dieser Form gab es natürlich noch nicht wie heute und die Assoziierung der Schweiz, man war noch weit davon entfernt, aber man hat damals schon gesagt, es sollte koordiniert werden mit den anderen Aufnahmeländern. Und das wäre bei Russen auch so, also wenn es einen Krieg gäbe, wäre das wieder anders. Herr Halter. Mich interessiert noch, wie viele Fälle von Missbrauch des Status S bisher entdeckt wurden und ob schon klar ist, wie diese Evaluationsgruppe zusammengesetzt werden wird. Also Missbrauchsfälle in diesem Sinne, das kann ich Ihnen nicht sagen. Es gibt einfach Status S-Fälle, die verweigert wurden. Da kann vielleicht Frau Staatssekretärin etwas dazu sagen. Dann die Zusammensetzung dieser Gruppe. Ja, sie ist mir natürlich bekannt. Wir haben einfach jetzt noch zugewartet, weil diese Personen teilweise noch andere Personen informieren müssen, dass sie in dieser Gruppe mitarbeiten. Aber es ist kein Staatsgeheimnis, wir werden das bald bekannt geben. Es handelt sich aber, das kann ich vielleicht sagen, um Personen, die jetzt nicht operativ tätig sind. Das war mir wichtig, oder dass wir jetzt nicht Regierungsrätinnen nehmen oder Migrationsamtschefen oder Sozialdienstleiter, weil da haben sie sofort das Risiko, dass man das, was man jetzt erlebt, man möchte vielleicht das abbilden, was man selber einbringen will oder was man sicher nicht will, sondern es muss jemand von außen etwas neutral darauf schauen, ohne dass man selber irgendwie noch betroffen ist. Also es werden alles Ehemalige sein. Möchten Sie noch ergänzen?
Ja, zu den Missbrauchsfällen. Wir wissen, dass einige wenige versucht haben, den S-Status zu bekommen mit gefälschten Ausweisen, insbesondere mit Fahrerausweisen. Daher haben wir ja auch sofort vom BAZG pro Asylzentrum zwei Experten eingesetzt, die diese Ausweise auf ihre Echtheit prüfen. Ob auch S-Statushalter Missbrauch begangen haben, also zum Beispiel, wenn sie jetzt in Belgien schon einen Schutz bekommen haben und dann bei uns auch noch versuchen, den S-Status zu bekommen, solche Fälle sind uns nicht bekannt. Ist auch schwierig, solange wir noch kein Registriersystem auf der EU-Ebene haben. Ja, bitte. Oui, j'ai une question pour Madame Bartolo. Vous avez souligné l'importance du respect de la clé de répartition entre les cantons. Selon des articles de presse, il y a eu pas mal de cas quand même de ces déplacements des familles qui avaient déjà été accueillies. Et il y aurait aussi eu quelques critiques par les cantons même, parce qu'il s'agit quand même d'une certaine sensibilité, une fois que les familles ont été accueillies. J'aimerais savoir s'il s'agit seulement de ce qu'on appelle les cas de rigueur, donc s'il s'agissait seulement des cas ponctuels, et comment vous avez géré la situation. Est-ce que la position des cantons est compacte est-ce que les cantons sont unis en parlant avec la Confédération? Oui, alors par rapport à la clé de répartition, c'est vrai qu'au départ, elle n'a pas été complètement respectée. Et puis après, on a vu que certains cantons accueillaient un nombre très important de réfugiés, avec bien sûr les coûts qui vont avec, mais aussi avec les dispositifs de formation, le dispositif de santé qui devenait beaucoup plus chargé. Et c'est pourquoi aussi on a demandé un retour à une clé de répartition, à la clé de répartition usuelle qui se fait en fonction de la population. Après, sur le fait qu'il y a des personnes qui ont été déplacées, moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on a essayé d'être très pragmatique. Et puis, il y a des règles qui ont été posées, de dire à un moment donné, s'il y a des familles nucléaires, on est d'accord pour que les personnes puissent se déplacer. Mais après, on n'a pas forcé comme ça un nombre incroyable de personnes à se déplacer. Je crois que les cantons, on a tous quand même compris qu'on était dans une situation particulière qui, dès le départ, peut-être n'a pas été gérée de manière efficace dans cette clé de répartition. Puis la visée des cantons, c'était de dire on doit retourner dans un horizon temporel assez rapide à une clé de répartition usuelle. Et puis, si je parle pour mon canton et par rapport aux chiffres de la Confédération, je crois qu'aujourd'hui, on est tous à peu près dans une balance plus ou moins équilibrée. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il y a eu des déracinements, des arrachements. C'est vrai que quand les enfants étaient scolarisés ou alors quand la famille a réussi à démontrer qu'elle était accueillie dans une famille et puis que la famille s'engageait pour une période d'au moins 3 mois, il n'y avait pas forcément d'obligation de déménager. Mais c'est vrai qu'on a dû faire face, je dirais, dans certains endroits, à des arrivées importantes de personnes et puis que ça met certains cantons vraiment sous pression, alors que si on répartissait selon la clé de répartition usuelle, ça facilite aussi l'intégration de ces personnes. Besten Dank. Wenn ich auf die Zeit schaue, ich würde etwa noch 2-3 Fragen nehmen. Wer hätte die nächste Frage? Gibt es noch Fragen? Keine Fragen mehr. In dem Fall möchte ich mich herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Erscheinen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Vielen herzlichen Dank.